Soyez les bienvenus, nous allons démarrer cette troisième table ronde. L'imagination, c'est pour quand ? Repenser l'humain. Avant toute chose, vous avez peut-être pu le constater, je ne suis pas Hélène Risser, je ne travaille pas non plus pour Public Sénat. Je me présente, je la remplace. Je m'appelle Igor Saïri, je suis journaliste à BFM TV. Avant toute chose, n'y voyez aucun acte d'intolérance de ma part, mais je souhaiterais que vous applaudissiez à la fin de toutes les interventions et pas à la fin de chacune d'entre elles. Merci beaucoup. Commençons avec la première intervention. Il s'agit de Virginie Martin, qui est ici à ma droite, qui représente le laboratoire Think Tank Différent. Elle en est la présidente. C'est une création qui est récente, puisque le Think Tank est né cette année. En trois mots, la différence des codes différents, le hors-champ et l'identité. Voilà, c'est un laboratoire politique avant toute chose. Un exemple des différents travaux menés par ce laboratoire, la finance islamique, le transgenre, l'oligarchie de l'entreprise ou encore la prospective économique. Voilà une idée de ce travail, de ces travaux réalisés par ce think tank. Virginie, c'est à vous. Merci beaucoup, Igor. Donc, cette table ronde que j'ai quand même la lourde responsabilité d'ouvrir porte un titre bien ambitieux auquel je ne vais pas me gêner d'y rajouter un peu de complexité en intitulant mon propos « La question de l'homme et du politique dans un contexte mouvant, hybridé et en devenir ». Donc je vais ici essayer de parler peut-être un peu hors des cadres et des paradigmes classiques. N'est-ce pas d'ailleurs ce que le titre de cette table ronde nous suggère quand il entend stimuler directement notre imagination ? Beaucoup de lois flirtent avec le sujet de l'humain en devenir sans jamais le traiter vraiment finalement. Nous avons besoin de mettre en question l'humanisme dont les contours ont été posés depuis bien longtemps, à peu près depuis l'ère des Lumières. Mais que dire de cet humanisme aujourd'hui ? De quoi seront faits les défis pour les hommes de demain ? Et comment penser ces défis dans de nouvelles perspectives ? C'est l'enjeu de mon propos. Alors bien sûr, nous ne serons pas nécessairement d'accord sur la façon de réguler certaines des transformations qui se donnent à voir. Mais à mon sens, nous devons véritablement poser les termes de ce débat. Tenter de répondre aux interrogations qui se posent à nous aujourd'hui et à ces mises en perspective peut peut-être, et c'est un peu la note d'espoir, nous permettre d'être dans une meilleure dynamique pour aborder l'avenir et les lendemains. Donc le monde est changeant, hybridé, queer, diront certains. Il est peut-être temps de le saisir tel qu'il se donne à voir aujourd'hui. Et le paradigme que je propose ici autorise à penser les identités multiples, troublées, parfois troublantes, fracturées, les frontières moins pures, moins marquées, les mutations et les changements incessants de nos environnements. Ces notions dont je viens de parler sont aujourd'hui largement rentrées dans les univers de la sociologie, de la philosophie, des sciences politiques, même des sciences de gestion. Il est quand même grand temps, à mon sens, qu'elle soit enfin intégrée dans le logiciel du politique. Cette approche nous autorise à être, autant que faire se peut, à la hauteur de notre ambition générale, qui est de penser ce nouvel humanisme avec un prisme qui doit embrasser en même temps, simultanément, et c'est là peut-être tout l'enjeu, l'écologie politique, la question biotechnologique et les questions culturelles et postcoloniales, qui sont souvent les trois traités séparément. Nous essayons ici de penser, dans le think tank que je dirige, en même temps, donc l'homme dans la nature et dans une prise en considération du monde des non-humains, comprendre, comme nous le propose l'écologie politique, que l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres sur Terre et qu'il n'est pas le créateur dominant, mais qu'il fait juste partie du monde du vivant au même titre que les végétaux ou les animaux. Dans le même temps, nous entendons appréhender l'espace et les enjeux que soulève le monde 2.0, 3.0. D'un point de vue économique, bien sûr, je pense ici à l'illusoire loi Hadopi, mais d'un point de vue démocratique aussi, je pense évidemment à la question des open data et des données ouvertes et accessibles. Mais ici, l'enjeu consiste aussi à appréhender l'humain dans ses multiples dimensions, un homme aux nombreux avatars, aux identités multiples, aux doubles modifiés sur la toile, et donc au rapport au corps et à la corporéité troublée.
Alors une corporéité, d'ailleurs, qui peut aller jusqu'à être troublée dans l'extrême réalité, prenons le cas de la transformation sexuelle, via le progrès technoscientifique et médical. Ces éléments doivent se penser simultanément dans le monde ouvert, qui est de toute façon notre toile de fond, notre contexte peu négociable. Nous sommes dans une sorte de monde à plat, aux frontières écrasées, et nous devons certainement nous départir d'une vision ethnocentrée, dans la mesure où le monde, en fait, post-Berlin, post-1989, nous demande certainement de penser la polyarchie des acteurs dans un environnement ouvert. Je prendrai peut-être quelques exemples comme ça au fil de l'eau qui nous obligent, me semble-t-il, à réfléchir dans les cadres que je viens de décrire et qui nous interpellent. Je peux penser à Oscar Pistorius, vous savez, celui courant avec ses tibias en carbone sur la piste rouge londonienne des JO de 2012 et cette semaine courant contre un cheval. Cet exemple est parlant et pose de multiples questions. Est-ce qu'Oscar Pistorius, courant avec les valides, est encore un invalide? Où sont les frontières? Est-il un cyborg, comme pourrait dire la féministe Donna Haraway, un blade runner, comme Oscar Pistorius se définit lui-même? Que nous dit Oscar Pistorius d'une humanité réparée, diversifiée et peut-être même d'un humain augmenté? Cet athlète pose la question d'un post-humanisme, d'une autre forme d'humanisme. En tout cas, on peut le regretter ou pas, mais il est difficile de l'ignorer. Un deuxième exemple sera celui de Sarah Attar. Vous savez, cette athlète voilée courant le 800 mètres pour le compte de l'Arabie Saoudite sur la même piste londonienne lors des mêmes JO. Elle est un autre exemple pouvant nous faire réfléchir à toutes ces questions d'hybridation et d'identité culturelle. Sarah Attar interroge certainement nos réflexes ethnocentriques et laisse assurément perplexe le féminisme traditionnel à la française. Peut-être ce féminisme-là a-t-il raison, pourtant cet athlète est là, autorisé à courir par les instances olympiques. Elle est à sa manière tout à la fois émancipée, assurément instrumentalisée, soumise peut-être, mais aussi quelque part, elle est dans une forme de dépassement des cadres traditionnels. Si l'on prend maintenant l'exemple peut-être plus global du mariage pour tous, la question autour de ce mariage, est-elle la tolérance de certains à l'égard du monde de l'homosexualité? Non, pas vraiment, ou alors pas seulement. Refuser ce mariage pour tous, c'est plutôt refuser de voir les genres se troubler, le masculin et le féminin se nuancer, les technologies remettre en cause les liens de parentalité ainsi que de liens biologiques. Car l'effet domino est plus que probable. Accepter ce mariage, c'est à court terme accepter l'adoption. Accepter l'adoption, c'est à moyen terme, de toute façon, accepter toutes les formes possibles de technologies de mise au monde. Et la tribune du journal Le Monde, que certains d'entre vous ont pu voir cette semaine, portée notamment par le planning familial, en dit long sur les batailles à venir entre procréation médicalement assistée, que ce collectif veut bien accepter, alors que d'autres le refusent, et gestation pour autrui, qui est là rejetée en bloc par ce même collectif, privant ainsi les hommes homosexuels d'une possibilité d'accéder à la paternité, en tout cas en France, puisqu'il leur suffira de toute façon de traverser une frontière. Le mariage pour tous ouvre donc la porte à des questionnements sur le biologique, la nature, la science, bref, l'essence même de l'humain, mais aussi sur le monde qui communique de toutes parts et qui, pourrais-je dire, se contamine inexorablement. Il n'est donc plus question tout à fait de penser l'humain dans une seule vision anthropocentrée, figée, finie une fois pour toutes, stable, de laquelle seraient exclus les autres êtres vivants, les technologies, la science et les autres points de vue situés. Et pourtant, nos crispations sont encore très vivaces face à cette réalité quasi incontournable. Et ces crispations, face à ce monde tel qu'il se présente, donc, sont encore très fortes, même si je pense que nous n'échapperons pas à ces mutations que l'on voit poindre de toute façon tous les jours. Et ceci n'est pas toujours aisé de proposer cette réflexion dans un pays comme le nôtre qui semble résister à ce qui se joue sous nos yeux. Il semblerait en effet que notre pays se crispe un peu sur ses anciens modèles et que les conservatismes de droite,
comme les conservatismes de gauche, interdisent le plus souvent de poser le débat dans les termes dans lesquels j'essaye ici de le poser. Alors ces crispations s'articulent la plupart du temps autour de trois arguments. Le premier, celui de l'éthique, puisque d'aucuns estiment que le progrès peut aller à l'encontre de la dite éthique, voire de la morale, et que les progrès scientifiques et technologiques ne sont pas toujours synonymes de bien-être pour les individus. On a parlé de la gestation pour autrui tout à l'heure. Le deuxième argument se construit autour de la République à la française, de cet État-nation qu'est la France. Nombreux sont ceux qui considèrent que ce modèle de la République à la française a fait ses preuves par le passé et que nous devons le conserver intact dans le cadre sacro-saint que nous connaissons. Enfin, le troisième argument tourne autour de la question de la méfiance des univers marchands. Certains peuvent en effet penser que ces nouveaux paradigmes ne sont que des domaines supplémentaires d'extension d'un capitalisme toujours plus ardu. Alors, effectivement, tout n'est pas simple, et je ne suis pas naïve, et ces crispations peuvent bien sûr avoir leur légitimité. Mais il me semble malgré tout que s'accrocher uniquement aux anciens modèles de régulation n'est plus tout à fait quelque chose de suffisant. Peut-être d'autres voies sont-elles possibles, c'est dans tous les cas ma proposition de pensée. Car en effet, même si l'on peut entendre certaines de ces résistances, on ne peut pour autant affirmer que tout va très bien et que notre vieux modèle sait parfaitement répondre à toutes ces mutations. Accompagner ces transformations et ces inexorables métamorphoses, plutôt que de les subir sous prétexte d'y résister, peut être une autre voie possible. Et peut-être devons-nous aussi voir ces bouleversements comme des opportunités, finalement. Ils peuvent représenter autant de chances de créer d'autres rapports de pouvoir, d'autres possibilités d'émancipation et de démocratie. Pensons au monde du web et du 2.0, par exemple, évoqué tout à l'heure. Vouloir regarder cela, c'est se donner les moyens de penser les cadres des politiques de demain, penser une société dans laquelle la famille n'est plus tout à fait un pôle masculin, féminin. C'est penser que la République ne peut plus intégrer tout à fait comme elle le faisait avant. C'est accompagner la révolution humaniste que nous voyons poindre. Penser l'hybridation, le mouvement offre une approche certainement intéressante pour aller au-delà des cadres normatifs et loin des assignations de genre, de classe sociale et de race. Le seul fait, et j'en finirai là, d'accompagner positivement ce qui se joue tous les jours autour de nous pour offrir aux politiques, finalement, des espaces de création. Certainement aussi peut nous offrir de nouvelles dynamiques économiques et des espoirs de croissance, et surtout aussi, l'enjeu n'est pas moindre, de nouveaux lieux de la démocratie. C'est sur tous ces points que je voulais vous interpeller aujourd'hui en ouvrant cette table ronde qui est très ambitieuse. Merci beaucoup. Merci Virginie Martin. Je vous félicite puisque je n'ai même pas eu à intervenir. Vous avez respecté le timing parfaitement. Nous passons à la deuxième intervention de cette table ronde. Alors il ne s'agit pas de Mehdi Benchoufi, mais de Olivier Lecomte, qui représente le club JAD. Donc c'est la quatrième personne importante. Alors je vous rassure tout de suite, il y a des chances que vous ayez à intervenir cette fois-ci. De la gauche. Donc Olivier Lecomte, en deux mots, vous êtes professeur de finance à l'École centrale, responsable des questions économiques de ce club JAD. Votre leitmotiv, faire une innovation globale à travers l'usage des technologies numériques. Vous prenez une démocratie collaborative et participative, pas d'a priori idéologique. Je cite peut-être une publication du travail du club JAD, l'étude sur la libération du potentiel économique grâce aux nouveaux usages mobiles. Olivier Lecomte, c'est à vous. Vous allez voir, le numérique, il va en être question dans mon exposé. Mais enfin, d'abord, je me suis emparé de la question qui nous est posée et dans laquelle il y avait le mot « repenser ». Donc j'ai essayé de penser. Cela dit, j'ai essayé de penser en observant que vous nous demandez de répondre en 10 minutes à une question que déjà plusieurs milliers de philosophes au cours des 2 millénaires et demi qui sont écoulés jusqu'alors se sont posés, sans parler même des apports qu'ont pu avoir l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, la psychanalyse, enfin bref. Vous nous avez mis face quand même à une sacrée gageure. D'ailleurs, il m'a suffi hier, quand j'ai été saisi de ce remplacement soudain, de réaliser que même Jacques Attali n'avait pas entièrement traité la question, pour me rendre compte que,
que traiter le sujet revenait à me condamner à une impasse totalement irrévocable. Enfin, on va quand même essayer. Essayez. Alors, la question posée, vous le voyez, elle est d'autant plus épineuse que l'homme est à la fois le sujet de la réflexion, le titre de notre table ronde, mais c'est aussi celui qui formule cette réflexion. Et on crée là donc une récursivité, on parlera de système autoréférencé, dont il est difficile de sortir. Sans même parler d'ailleurs des écueils que peuvent constituer l'anthropocentrisme, l'ethnocentrisme. Pensez donc une matière en transformation perpétuelle et une matière douée de la faculté de se changer elle-même, c'est un peu comme essayer d'isoler un quark. Et là, je suis rassuré parce que je pense que uniquement les physiciens me comprendront. À propos d'ailleurs d'ethnocentrisme, vous allez voir, dans mon propos, je ne cite quasiment que des penseurs occidentaux, tout simplement parce que j'ignore presque totalement comment un Coréen, un Papouasien, un Brésilien, un Chinois, eux, pensent le monde. Et voilà donc qui borne d'emblée très largement mon propos. Enfin, donc le titre de cette table ronde suggère que le monde ne s'est jamais transformé qu'en fonction des projections de l'imagination. C'est bien ça qui est suggéré. Mais aussi, finalement, que faute d'imagination, ou lorsqu'il y a une panne de l'imagination, le monde semble tourner à vide, qui n'est plus qu'une espèce de reproduction à l'identique, et peut-être même donc une immobilité ou, alternativement, un cheminement aveugle vers la catastrophe. Ainsi, quand la raison calcule, vise à énoncer des lois, fait le pari du stable, et on pourrait dire à la suite de Platon, stable, la pensée exige un objet qui soit stable. L'imagination, elle, surprend parce qu'elle s'efforce d'introduire dans le monde l'empreinte du désir. À la loi du principe de réalité, elle oppose les revendications du principe de plaisir. Alors, on va essayer d'illustrer ça un peu. On annonce partout la fin des idéologies, l'échec d'un monde de pensée universelle et descendant que l'on dit propre à l'Occident. Occident qui, comme chacun sait, est en plein déclin. Est-ce à dire que le triomphe du confort matériel et intellectuel, confort caractérisé par l'absence de pensée ou par la pensée unique, tel qu'il a été annoncé par Nietzsche au XIXe siècle, s'est réalisé? Avons-nous donc définitivement basculé dans la religion de la marchandise, pour citer cette fois-ci Marx ou l'un de ses épigones modernes, Herbert Marcus? À vrai dire, l'observation du monde qui nous encourt pourrait porter à le croire. Et pourtant, parallèlement, nos avancées, la connaissance de la matière, de la biologie, de la cybernétique, de la robotique, des robosciences, permettent à d'aucuns d'annoncer l'avènement prochain d'un homme nouveau. On retrouve d'ailleurs l'Ubermensch nietzschéen, au passage, qu'on voit apparaître dans des rêves transhumanistes de Kurzweil, ou plus cyniquement dans un roman, Les particules élémentaires, de Michel Houellebecq. C'est donc dire si on peut se demander, parfois, si on a vraiment avancé en 2500 ans. Prométhée, l'hubris, sont toujours là, en embuscade. J'observe d'ailleurs au passage qu'on n'a pas encore trouvé aujourd'hui ce qui serait l'équivalent pour l'époque numérique de ce que fut Marx pour l'avènement du monde industriel. Alors, quel est l'enjeu de cette affaire? Sommes-nous prisonniers d'un impensable? Le débat porte, à mon sens, rien moins que sur la part qui revient à l'initiative, au vouloir, à l'action, par opposition à l'idée donc d'un ordre immuable. Ce propos de l'Ecclésiaste, ce qui fut, ce sera, ce qui s'est fait, se répétera, et finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit donc que la distinction entre un réel implacable qui imposerait ses nécessités, nécessités face auxquelles l'imagination serait condamnée à se tenir à l'écart sous la forme d'une rêverie, et d'autre côté, les forces qui commandent le changement, eh bien, il y a donc là, dans cette distinction, pour moi, une approche fondamentale. Que le collectif s'empare de ces images, et que les images produites par l'imagination, et que celles-ci exercent leur potentiel de séduction, alors, l'imagination peut se transformer en puissance matérielle. Là est l'articulation possible entre l'utopie et l'idéologie. Il y a donc cette alternative d'une imagination qui affirme et qui veut, et ou d'un réel qui ne serait pénétrable que par la raison, et laquelle raison réduirait au passage passions et désirs. Notre proposition de départ, le titre même de cette table ronde, suggère que contre les idéologies de l'impuissance et contre les débordements vains et terrifiants de l'imagination, il y a en tout cas une espèce de moyen terme, une place pour penser, et une pensée qui agirait dans sa fonction historico-sociale de création. Il s'agit donc bien de reconnaître une incontestable puissance de séduction liée au potentiel d'écart contenu dans l'imagination, mais aussi une méfiance philosophique et pratique à l'égard de ce qu'elle peut. Car en effet, face à la force de l'imagination, il y a aussi son prométhéisme, une manière de dérober constamment le feu des dieux
Il n'est donc pas surprenant que la puissance de l'imagination puisse déclencher de véritables crispations phobiques, justifier le repli et l'appel à soumettre à un ordre immuable des choses. Alors, que peut-on dire à ce stade, à part faire le constat qu'on ne peut pas dire grand-chose ? Ma première réponse sera, quitte à en décevoir quelques-uns parmi vous, qu'effectivement, nous sommes très probablement à l'un de ces carrefours de l'histoire, un de ces moments où une mutation plus ou moins chaotique se profile et pour laquelle donc les lois déterministes, finalement, s'effondrent. En termes plus simples, notre aptitude à penser l'avenir est aujourd'hui sérieusement challengée par l'éventail des paramètres et des inconnus à prendre en compte. Nous sommes non seulement face à un known unknown, mais aussi et surtout face à un unknown unknown, pour reprendre les propos d'un autre grand penseur, Donald Rumsfeld. Les amateurs de science-fiction, autant blanchissantes comme moi, se souviendront des théories d'Isaac Asimov, Harry Seldon, connu sous le nom de psychohistoire, pour écrire ces périodes pendant lesquelles, finalement, des futurs radicalement différents sont possibles et pour lesquels un changement mineur dans le cours des événements peut faire basculer entre une ou l'autre des réalités, ce qu'en mathématiques du chaos, on appellerait la sensibilité aux conditions initiales. Ainsi donc, ma première thèse est que ce n'est pas l'imagination qui manque, mais qu'il nous faut probablement renoncer à penser le futur dans le sens d'un déterminisme, dans le sens d'un absolu. Il nous faut plutôt admettre que ce futur va s'élaborer sous nos yeux et que nous pourrons, même individuellement, par l'amplification exponentielle des effets, y jouer peut-être une part. Arrivé à ce point, donc, faute de deviner l'avenir, je me contenterai d'en délimiter quelques enjeux et d'esquisser quelques éléments modestes de réponse. Face à une question trop vaste, sortons notre scalpel et découpons, si possible, quelques tranches un peu plus maîtrisables. Ma deuxième thèse sera donc que, face à toutes ces incertitudes, il est urgent de dessiner de nouvelles instances de délibération collective. Les institutions, les structures dans lesquelles nous vivons ont pris un sérieux coup de vieux. Produit d'une histoire, produit de grandes catastrophes, la Deuxième Guerre mondiale par exemple en Europe, mais aussi produit de l'effort économique spectaculaire commencé au XIXe siècle par l'industrialisation, le cadre des nations, le cadre des représentations démocratiques ou non, est incapable de faire face aux défis mondiaux qui attendent aujourd'hui l'humanité, sauf à devoir en passer par des convulsions violentes, ce qui n'est malheureusement pas tout à fait exclu. Est-ce qu'on va vers un gouvernement mondial, cher à Trotsky, ou fantasmé par H.G. Wells ? Rien ne le prouve. Toutefois, deux faits méritent d'être notés. La première, et j'en arrive au numérique, c'est l'interconnexion à l'échelle mondiale des êtres humains. Et la seconde, c'est l'Union européenne. La première transforme complètement notre rapport au monde. Elle introduit ce que j'appellerais l'instantanéité, démédiatisée. Je veux dire par là que non seulement nous savons ce qui se passe dans le monde, partout dans le monde en temps réel, mais en plus nous ne dépendons plus des canaux officiels ou institutionnels pour le savoir. Le débat récent sur l'administration de l'Internet, d'ailleurs, montre que ce qui pose problème aujourd'hui au pouvoir, c'est précisément cette liberté de l'Internet. Est-ce que pour autant l'interconnexion sera capable d'engendrer le consensus ? Est-ce qu'elle sera capable de provoquer une délibération raisonnable et objective sur les grands sujets qui concernent et menacent l'humanité ? Ça, à mon sens, reste à prouver. La démocratie numérique, l'open government sont encore, à mon sens, en gestation. Et ce sera à nous de les faire grandir. On peut simplement dire que toutes ces techniques qui arrivent, le big data, l'analyse sémantique du web, donc la possibilité d'échanger, auront un impact considérable et que je pense nous mesurerons encore mal sur l'éducation, sur nos fonctionnements et sur le fonctionnement de l'institution. Et puis, s'agissant du deuxième point, donc sur les changements, les pistes, il y en a une que je voudrais évoquer en constatant d'ailleurs au passage que cet événement était quasiment invisible cette semaine, c'est la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Évidemment, pour beaucoup, à l'égard des convulsions qui ont agité ces 3 ou 4 dernières années l'Union européenne, la récompense est incompréhensible. Et pourtant, ce que le jury Nobel a récompensé, c'est précisément, face aux défis du monde de demain, ce laboratoire absolument incroyable, unique dans l'histoire, auquel je vous invite à vous intéresser un peu plus. Je vais vous demander de conclure très une bientôt, seconde. Le compte, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'une collection de nations plurielles, qui partagent certes au départ une culture commune, mais dont l'histoire guerrière, l'état de développement social et économique étaient considérablement éloignés, se sont rapprochés pour élaborer un espace commun, des règles communes. Bien sûr, c'est très imparfait, et l'on pourrait passer une journée entière à en dénoncer les manques et les absurdités.
mais en même temps, cela existe, cela se déroule sous nos yeux. C'est une réalité en puissance dans laquelle s'élabore un processus heuristique qui va conduire vers, à mon sens, un dépassement des structures anciennes. Voici donc une réalité phénoménale qui s'offre à nous et à laquelle que nous devrions accueillir avec beaucoup plus d'enthousiasme. L'imagination n'en est d'ailleurs pas absente, car c'est vraiment le fait d'avoir établi des principes, des règles essentielles comme celle des droits de l'homme, qui a permis de guider cette marche chaotique, mais jusqu'alors ininterrompue. J'en conclurai là. Le numérique, l'Europe, et surtout, accepter le fait qu'il va falloir élaborer, travailler beaucoup, penser beaucoup le futur pour éventuellement le construire. Merci. Olivier Lecomte, le club JADE, contrairement à ce que vous avez déclaré, vous avez dit beaucoup de choses, pendant 12 minutes précisément, ça fait pas mal de mots prononcés. Allez, passons à la troisième intervention, il s'agit de Valérie Elisef, qui représente le plus vieux laboratoire d'idées de France, s'il vous plaît, sa création 1867, c'est la SAF, les agriculteurs de France, donc spécialisés dans le secteur agricole, vous l'avez compris, laboratoire basé sur une réflexion collective et transversale, producteurs, distributeurs, avocats, chercheurs, hauts fonctionnaires, bref, très divers et variés. Des exemples de vos travaux concrets qui sont réalisés, syndicalisme agricole, mutualité sociale agricole, ou encore plus récemment, via la loi de 2006, la reconnaissance de l'entreprise agricole par l'existence d'un fonds agricole. Votre objectif, porter le progrès en agriculture via la sécurité alimentaire et environnementale, bref, produire plus et mieux avec moins. La mission n'est pas petite, c'est à vous, la parole est à vous. Bien, merci. Lourde tâche, puisque moi je vais revenir sur une approche plutôt sectorielle, mais qui s'inscrit dans le prolongement des deux interventions précédentes, puisque j'ai entendu complexité du monde, carrefour de l'histoire, repenser l'homme, et nous nous inscrivons véritablement dans cette approche. Alors, je commencerai par d'abord un petit propos sur le contexte. Dans quel monde vivons-nous ? Qui est le thème central de notre troisième édition du Forum des Think Tanks. Pour nous, le monde dans lequel nous sommes, en tout cas pour les agriculteurs en France, c'est marqué par la fin d'un cycle. Nous sortons d'un cycle de 40 ans et une nouvelle page va s'écrire. Cette nouvelle page, elle doit s'écrire avec des initiatives individuelles et c'est là où on va arriver à repenser l'humain. Alors pourquoi arrivons-nous dans ce nouveau cycle ? Eh bien, tout simplement parce que, premier point, nous sommes face à un défi majeur qui est celui de satisfaire la demande alimentaire et non alimentaire de 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Donc c'est très rapide et jamais au cours de l'histoire on a eu à faire face à une demande aussi rapide et aussi croissante en aussi peu de temps. Donc ce qui nécessite d'avoir une réflexion sur nos modes de production, une réflexion sur toutes nos méthodes. Le deuxième élément, qui est également fondamental, et j'entendais tout à l'heure écologie politique, c'est l'écologie tout simplement pour nous, et surtout la ressource, la gestion des ressources rares et la gestion dans un monde fini. Nous prenons conscience progressivement que ce monde dans lequel nous vivons est fini. La ressource en terre agricole est limitée. Il y a la biodiversité aussi qui est limitée. Les ressources en eau sont limitées. Et donc, il va falloir conjuguer à la fois une augmentation de production et la gestion d'un environnement pour les générations futures et pour pérenniser l'acte de production. Et donc, ces deux questions se posent avec beaucoup plus d'acuité que par le passé. Le troisième élément concerne l'ouverture du monde. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert. Il suffit d'aller dans un supermarché pour s'en rendre compte. Vous voyez qu'il y a des raisins du Chili, des pommes de Chine, de la viande d'Argentine. Et donc, toutes ces marchandises traversent le monde à des coûts différents. Et finalement, l'agriculteur aujourd'hui, français ou européen, est baigné dans cette mondialisation. Le troisième aspect lié à cette mondialisation est lié à la formidable volatilité des cours des matières premières. Si vous regardez dans les journaux, vous apercevrez que le cours du blé, par exemple, en quelques mois, peut quasiment prendre 30-40% dans un sens comme dans l'autre. Donc nous sommes dans un monde véritablement instable, ouvert, et qui est fait de compétition avec différents marchés. Aujourd'hui, la demande en matière agricole est extrêmement diversifiée, et chacun peut en prendre conscience dans ses propres actes de consommation.
Certains prennent du bio, d'autres prennent du certifié, d'autres prennent du tout venant, ne serait-ce que pour les productions que nous avons en France. Donc on est dans ce monde complexe, on est dans ce monde ouvert, avec cet impératif de gestion de l'environnement et avec cette question de répondre à la demande alimentaire. Donc pour nous, pour répondre à cette approche quantité et qualité environnementale, eh bien on ne peut pas avoir de réponse unique. La réponse, elle doit se trouver au plus proche des individus. Or aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle qui a eu tendance à gérer de manière collective, dans une approche assez standardisée, notre secteur. Donc nous sortons du modèle des années 60, pour les spécialistes, c'est les lois Pisani, qui ont modifié radicalement le secteur agricole avec un projet qui venait plutôt du haut vers le bas, avec un projet technique, avec des fermes, modèle 2 UTH, donc monsieur, madame, un peu les images d'Épinal que chacun a au fond de sa mémoire. Et donc ce modèle, aujourd'hui, il est obsolète, puisque on voit bien que les réponses sont... Le monde est tellement complexe, en plus, ce monde s'accélère. Donc c'est un petit clin d'œil à mon voisin, c'est-à-dire que pour nous, dans cette complexité, il faut toujours 9 mois pour faire un blé, pour faire pousser du blé. Un verger met plusieurs, se raisonne sur plusieurs années. Et quand on a des effets sur l'environnement, eh bien, il faut en attendre quelques années pour en voir le résultat. Et donc, pour gérer cette complexité du monde, en fait, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut repartir de l'homme, repartir de son projet. Et ça veut dire baser l'agriculteur et son projet au centre du développement. Dans cette perspective, nous disons, eh bien, le chef d'entreprise est le meilleur garant de la rentabilité économique, puisque c'est lui qui porte son projet économique, donc il va maximiser ses facteurs de production, et il sera performant. Et il aura, chaque agriculteur aura son propre projet, mais cette liberté d'entreprendre qu'il faut favoriser, eh bien, elle sera gage de performance. Et pour nous, c'est de dire, arrêtons avec un certain nombre de dispositions des années 60 que l'on a encore, tels que le contrôle des structures ou un certain nombre d'autres dispositifs hérités du passé. Donc c'est le premier point, réformer sur ce plan pour avoir de la liberté d'entreprendre. Le deuxième point concerne l'environnement. Vous seriez vraiment surpris de voir, à titre individuel, tout ce que les agriculteurs réalisent dans leurs fermes. Parce qu'on parle d'un point de vue général, mais quand on va véritablement sur le terrain, on s'aperçoit qu'ils réalisent énormément de choses en faveur de la biodiversité, en faveur de leur sol, parce qu'ils inscrivent leurs actions dans le long terme. Et ça, ça doit être géré aussi au plus près de la ferme. Un autre exemple, quand on est sur un bassin versant pour la gestion de l'eau, souvent les mesures sont un peu identiques pour tout le monde. Or, on sait très bien que si on veut avoir de la performance environnementale, eh bien, il faut aller prendre des mesures sur les parcelles, sur les champs, qui contribuent le plus à la qualité de l'eau. Et donc ce n'est pas en ayant une réponse uniforme sur l'ensemble de cette zone de captage que l'on aura le meilleur résultat, mais au contraire, c'est à partir de politiques différenciées. Donc ça repose la question de l'action publique, qui aujourd'hui, pour des questions relativement simples de contrôle et de mise en œuvre, a une action planificatrice et générale, aller au contraire vers beaucoup plus de surmesures. Et donc notre propos est de dire, faisons confiance aux individus, laissons-leur les marges de manœuvre nécessaires pour développer des projets tant sur le plan économique qu'environnemental pour avoir la meilleure performance. Alors si on s'arrête là, on peut se dire, oui, mais alors c'est l'anarchie, chacun développe son projet dans son coin. Or nous sommes dans un secteur extrêmement atomisé, et donc on a besoin aussi d'avoir une approche collective. Et donc l'enjeu pour nous est de repartir de cet individu, de repartir de ce projet d'agriculteur et de lui redonner un sens dans du collectif. C'est extrêmement important, mais c'est vraiment en partant du bas et en redonnant du sens au collectif que l'on aura le meilleur résultat. Alors redonner du sens, passer de l'individu au collectif n'est pas simple et nécessite beaucoup d'imagination. Alors pour nous, on a quelques pistes sans avoir toutes les réponses, parce que je pense qu'un certain nombre de philosophes aussi se sont penchés sur cette question.
Mais c'est déjà reconnaître les différences, ça c'est le premier point, reconnaître la diversité, et puis laisser cette diversité s'exprimer, et puis mettre en rapport ceux qui sont un peu, qui font la même action, et de leur dire finalement, vous, dans votre endroit, vous faites une action intéressante, mais votre voisin aussi. Exemple, nous avons dans nos adhérents des agriculteurs qui sont certifiés ISO 14001 et qui font des choses extraordinaires pour l'environnement. Mais leur univers est limité à leur ferme, parce qu'ils n'ont jamais, ils ont réfléchi par rapport à leurs propres problématiques. Mais en les mettant dans une salle et en leur disant, mais finalement, la somme de vos actions individuelles produit une action très très importante sur du collectif, on obtient un effet de levier et ça donne du sens à cette action individuelle dans du collectif. Autre aspect, je parlais de l'eau tout à l'heure, eh bien on peut agréger aussi sur des projets de territoire, où chacun va avoir un projet individuel avec sa sensibilité, son parcours et les terres qu'il dispose, dont il dispose. Et finalement, on va pouvoir, avec ce projet collectif, avoir un agrégateur sur ce projet collectif à travers le territoire. Donc on réimagine comme ça des projets ou des individus. Donc finalement, le champ aujourd'hui des possibles est extrêmement large et ouvre des perspectives très intéressantes. Par contre, c'est vrai que ça nécessite de l'imagination, encore une fois, on le dit, de la reconnaissance de la différence. Et tout l'enjeu, finalement, si on veut prendre une image, et je terminerai là-dessus, c'est que nous avons affaire à des étourneaux, hein, et ces étourneaux, ils sont diversifiés aujourd'hui. Et ce vol d'étourneaux doit se former. Chacun est individuel, mais on recrée du collectif à partir de l'individuel. C'est tout l'enjeu de notre secteur. Valérie Elisseff pour la SAF Agriculteurs de France. Merci pour votre intervention. La transition est presque toute faite, puisque nous allons parler écologie avec Lucille Schmitt. Vous représentez l'association pour la Fondation de l'écologie politique, une association créée il y a 3 ans. Et je peux le dire, puisque vous m'avez donné l'autorisation, la Fondation vient d'être créée. Alors, votre objectif, c'est un projet global de la société et des modes de production autour de l'écologie politique au sens scientifique et démocratique du terme. Vous n'êtes pas dogmatique, souci de dialoguer avec toutes les familles politiques et la volonté de créer un réseau Europe Écologie Les Verts en Europe. C'est une belle mission. La parole est à vous. Merci beaucoup et je tiens à dire que je ne suis pas une amiche parce que j'ai entendu tout à l'heure le coup de pied de l'âne de Stéphane Boujna qui, lorsqu'il parlait des gaz de schiste, disait que le refus de leur exploitation était au fond une pensée amiche. J'entrerai pas dans cette polémique, mais je pense que au fond, on voit bien que sur l'écologie, la question des images toutes faites est une question que nous devons aussi combattre dans la future fondation. Alors, moi, je voulais commencer en rappelant que dans ce titre, lorsque nous disons « l'imagination, c'est pour quand ?», et Olivier l'a bien dit, l'imagination, au fond, c'est un exercice de désir, mais le sujet, c'est le passage à l'acte. Et lorsque nous parlons d'imagination, c'est pourquoi nous voulons bien sûr dire que l'imagination doit être au pouvoir, c'est notre choix, je crois, dans cette table ronde, et que nous espérons qu'un jour, nous vivrons, un peu comme Virginie nous l'a dit, le monde en réalité augmentée, non pas en réalité rétrécie, comme nous le vivons depuis 40 ans de crise, puisque depuis 40 ans de crise, ce que nous avons vécu, c'est une succession, en fait, de rétrécissement de notre monde. La crise de l'emploi, la crise économique au sens large, la crise écologique, la crise des identités nationales dans la mondialisation, et puis la crise du projet européen, puisque certes le projet européen est enthousiasmant, mais sans doute plus lorsqu'on l'imagine tout seul que lorsqu'on constate la réalité des pratiques gouvernementales. Donc c'est à partir de cette volonté que nous avons que l'imagination passe à l'acte que nous avons conçu cette table ronde. Alors, ce que je voulais dire pour commencer, c'est qu'évidemment, aucun d'entre nous ne veut renoncer à la notion de progrès, mais que nous sentons tous que sur cette notion de progrès, il y a des évolutions à faire, comme sur la question du modèle social. Aucun d'entre nous n'a assumé le fait qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, qu'il voulait renoncer au modèle social français. Simplement, dans certaines affirmations, lorsqu'on en tire les conséquences concrètes, on percevait bien qu'il y avait une forme de renoncement qui n'était pas véritablement assumée. Et c'est en ce sens qu'il me semble que la pensée dans la crise est une pensée rétrécie souvent parce qu'on nous présente tous les choix comme des choix qui, au fond, ne sont pas des choix, qui sont des choix inévitables. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous achevions cette matinée avec le sentiment que les choix sont des choix assumés et non pas inévitables. Je pense que c'est un point essentiel lorsqu'il s'agit justement de recréer du collectif et le sentiment d'une société qui est vivante.
La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble que pour recréer ce sentiment des choix, je crois qu'il faut recréer le sentiment qu'il y a des projets politiques qui sont des projets politiques différenciés. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que après avoir vécu, lorsqu'on est à gauche et écologiste, une longue période d'éloignement du pouvoir, le fait, après assister à l'espoir qu'ouvrait l'élection de François Hollande et cette majorité... Excusez-moi, je pense que je vais avoir un chevrotement. Prenez votre temps. Un peu d'émotion. Cette majorité rose et verte. Allez-y. Rose et verte, non mais j'y vais. Je pense que la question qui est aujourd'hui posée, c'est bien le sentiment qu'au fond, quelle que soit la majorité au pouvoir, la question c'est celle du curseur et non pas celle du projet, puisque l'inévitable est là. Il faut d'abord réduire le déficit budgétaire avant de transformer l'économie, avant de transformer la société. Et le préalable donc du rétrécissement est toujours présent, avec le sentiment en plus que dans cette espèce d'innovation qui était cette majorité rose et verte, la conflictualité l'emporte largement. Tout le monde a en tête évidemment l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais je crois que le sujet n'est pas strictement l'aéroport. La question est plutôt celle que lorsqu'un accord avait été négocié entre les écologistes et les socialistes, il y avait eu plusieurs mois de travail sur ce que peut être un contenu culturel commun pour ces partis, et que ce contenu culturel a totalement disparu. Alors on peut dire que c'est face à l'épreuve du réel, mais on peut dire aussi que c'est une forme de renoncement implicite à l'idée que lorsqu'on pratique la politique et qu'on est en situation de gestion, on peut changer les choses. Donc ça, c'est un point qui me semble un point de renoncement qu'il faut noter et sur lequel, évidemment, il ne faut pas se résigner. Du coup, les affrontements en termes de projet sont de plus en plus des affrontements ultra symboliques et quelque part, je trouve, parfois réactionnaire. Je trouve que tout le débat qui a eu lieu sur la question du mariage pour tous a fait ressurgir une vision du mariage que je trouve personnellement assez dépassée. Et je pense que chacun a été caricaturé dans des positions qui, au fond, ne sont pas celles que chacun d'entre nous éprouve dans sa vie quotidienne. Et ça, c'est un point sur lequel on peut s'entendre. Je pense que la démocratie mérite mieux que des affrontements ultra-symboliques et fantasmatiques. Alors, à partir de là, comment peut-on repenser l'humain ? Évidemment, c'est par l'écologie politique, mais c'est surtout par le fait de repenser, je crois, ce modèle français qui nous tient à cœur, mais qui est une sorte de... Tout à l'heure, Agnès Molinier a défini un petit peu pour elle les composantes, les caractéristiques de ce modèle français, et je souscris à ce qu'elle a dit, mais il me semble qu'il a aussi des caractéristiques de conservatisme des élites, qui expliquent qu'il y a une sorte de veau d'or du modèle, et que c'est, au fond, en s'interrogeant au contenu de ce modèle, en le questionnant et en montrant qu'il a un avenir dans une société mondialisée, que nous pouvons, bien sûr, lui donner une perspective. La première chose, c'est qu'évidemment, lorsqu'on repense l'humain, on ne va pas nier la contrainte, mais on va aussi considérer, puisqu'on parle d'humain, que la contrainte est un mécanisme psychologique qui est en fait une manière de créer de la décision implicite sans l'assumer démocratiquement et de placer dans la gestion du temps la question de l'immédiateté et de l'urgence, toujours en première ligne par rapport à tout ce qui avait été dit tout à l'heure sur la vision de l'avenir. Jean-Philippe Thiollet en parlait extrêmement bien en disant que le sujet, c'est pas seulement de parler de la jeunesse, la question, c'est aussi de placer la jeunesse au centre, de lui donner donc la place qu'elle mérite en termes de créativité et de repenser les choses, au moins dans un moyen terme, mais pourquoi ne pas oser un gros mot dans le long terme. Là-dessus, je trouve que ce qui se passe autour du nucléaire est très intéressant, sans être encore une fois une amiche. Lorsqu'on discute entre Europe Écologie, les Verts et le PS, on parle de la fermeture de 25 réacteurs. Lorsque François Hollande est élu, on dit qu'on fermera Fessenheim dans le cadre donc, du premier quinquennat de François Hollande, puisqu'on peut peut-être se placer dans la perspective d'un deuxième quinquennat, je ne sais pas. Donc on repousse à 2025 la question de la réalisation de cette fermeture des 25 réacteurs. Et puis on s'aperçoit qu'au fond, on ne peut pas fermer Fessenheim. Parce que si on devait fermer Fessenheim, il faudrait le fermer tout de suite, et que là, il y a une urgence, il faut faire des investissements massifs, et si on fait des investissements massifs, évidemment, il y aura un problème budgétaire, financier, d'investissement, puisque l'investissement ayant été réalisé, ça prolongera la vie de la centrale. Et donc, on se retrouve face à une sorte d'injonction contradictoire dès qu'il s'agit, au fond, d'engager le premier pas de la transition, et c'est ça qui me semble important, c'est parce qu'on le sait tous, la question du premier pas est une question déterminante lorsqu'on veut, au fond, faire entrer l'imagination dans la réalité, et donc l'imagination, c'est très concret, et à un moment, il faut prendre une décision, et c'est une décision qui ne correspond pas aux modèles qui ont été poursuivis depuis maintenant 50 ans, qu'on soit de gauche ou de droite.
Donc, le sujet, c'est bien sûr que la psychologie du pouvoir joue un rôle fondamental dans le fait que l'imagination ne soit pas au pouvoir. La deuxième chose, c'est que pour repenser l'humain, il faut bien sûr repenser l'économie. Et là-dessus, moi, j'ai trouvé que les précédentes tables rondes avaient un raisonnement souvent très macroéconomique, c'est-à-dire on parlait en termes de grande masse et on s'opposait sur la question de grande masse, sur le déficit budgétaire, sur à coup de milliards, à coup de centaines de milliers d'emplois publics supprimés. Alors qu'au fond, il me semble qu'aujourd'hui, la question de repenser l'humain, c'est sans doute, comme l'a dit Valérie Elissef, la question de la diversité, la possibilité d'organiser le lien entre la microéconomie et la macroéconomie, ce qui est un point évidemment essentiel pour que le changement entre dans les mœurs, parce que je ne suis pas sûre que le changement sera d'emblée systémique. Sans doute faut-il là-dessus avoir une approche plus inductive que nous en avons l'habitude en France, avoir une approche plus expérimentale. Et là-dessus, je voulais citer deux exemples de professions ayant des comportements écologiques. Pour certains, les vignerons, qui ont bien compris que le vin bio, c'était une bonne manière en fait, de susciter de nouveaux marché, et les coiffeurs. On n'imagine pas ça, mais aujourd'hui, les coiffeurs ont lancé un label EcoCert et ils ont compris qu'au fond, en modifiant leur process, en ayant des salons de coiffure qui sont certifiés écolo, on pouvait attirer de la clientèle. Et quelquefois, l'innovation écologique vient de tout à fait d'autres horizons que ceux qu'on peut imaginer. Enfin, je crois que sur la question de repenser l'humain, le sujet, c'est bien sûr d'inverser la relation à l'avenir. Mais là-dessus, je ne dirais pas qu'il s'agit de faire de la prospective, qu'on a l'habitude d'en faire maintenant depuis des décennies, sans jamais justement passer à l'acte. La question est bien sûr de choisir entre des scénarios qui soient contrastés, d'éviter de faire un scénario gris, rose et noir, et de faire des scénarios contrastés, et là-dessus de réhabiliter évidemment le volontarisme politique, la manière dont on assume des décisions qui peuvent créer du débat. C'est un point essentiel sur lequel il me semble qu'il faut s'entendre. La pensée de l'avenir, le fait de rendre l'avenir présent, c'est un point important, mais il faut choisir cet avenir qui sera le plus favorable à ceux que nous ne sommes pas, aux nouvelles générations, et éviter de prolonger la situation d'aujourd'hui en se servant de l'avenir comme prétexte. Enfin, dernier point sur repenser l'humain, c'est la question démocratique, qui a été peut-être une des questions les plus évoquées d'ailleurs au cours des trois tables rondes de ce matin, parce que chacun d'entre nous sait bien qu'il y a une langueur démocratique. Chacun d'entre nous ensuite dit la solution, c'est soit la démocratie participative, soit le non-cumul des mandats. Je crois que le sujet, c'est surtout la réanimation démocratique, c'est-à-dire que chaque citoyen puisse se sentir concerné, engagé, et pas seulement à coup d'anathème contre les élus ou à coup d'anathème contre chacun d'entre nous parce qu'il n'est pas suffisamment impliqué. Je crois là-dessus qu'une bonne dose de proportionnel, comme le préconise d'ailleurs le rapport Jospin, enfin 10% c'est pas tout à fait assez, mais c'est important et qu'il faut arrêter d'avoir peur de la représentation de l'ensemble des familles politiques. Je pense que c'est une bonne manière de réanimer le débat public, parce que sinon le thème de la confiscation par des élites qui s'auto-reproduisent sera toujours une thématique qui fera florès et qui entraînera des surprises électorales, de très mauvaises surprises électorales. Enfin, je terminerai, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, allez-y, Igor. Vous pouvez. Je terminerai en disant que pour moi, l'écologie n'est pas sectorielle. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas seulement un aéroport, c'est vraiment, ou des gaz de schiste, ou de la fermeture de centrales, c'est vraiment une autre manière de penser effectivement la relation de l'homme à la planète, certes, mais aussi la relation de l'homme aux autres hommes, avec le sentiment que la question des valeurs est une question qui mérite toute notre attention et qui est une bonne manière justement de réanimer la démocratie. Je crois aussi que l'écologie doit être là, quelque part, pour déranger par rapport à des choses qui sont tenues pour acquises. Et là-dessus, je vais dire quelque chose sur un sujet qui n'a rien d'écologique, mais qui me tient à cœur parce que je suis fonctionnaire. Très vite. C'est que le débat qui a eu lieu très vite sur la question du statut général de la fonction publique tout à l'heure est un débat où, de gauche à droite, quelque part, sauf Dominique Reynier, personne ne contestait ce statut général. Je pense qu'il faut quand même se rappeler que le statut général des fonctionnaires a été créé en 1941 par Pétain, et que, certes, en 1946, il a été ensuite modifié, et d'ailleurs, on dit qu'il a été décorporatisé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sans doute ce statut général, dans la manière dont il met au fait tout le monde dans le même sac, ne crée pas un sentiment de responsabilité suffisant par rapport aux hauts fonctionnaires, à ceux qui dirigent l'État. Et je crois que nous devrions oser au moins réfléchir à la question de la direction de l'État et de la possibilité de rendre l'État plus imaginatif d'une façon qui nous satisfasse. Je crois que c'est peut-être un champ plus intéressant que la,
la suppression des emplois publics à l'aveuglette, qui crée effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe Thiollet, un État qui parfois est à l'os dans ses fonctions sociales. Merci. Merci Lucille Schmittes pour la Fondation de l'écologie politique. Nous passons à la cinquième et dernière intervention de cet atelier. Nous présentons plus ou presque la Fondation Jean Jaurès. Elle est représentée par son directeur général, Gilles Finkelstein. Vous fêtez vos 20 ans cette année, non pas vous, mais la Fondation, on a bien compris. Merci de le souligner. Autant d'années au service de la pensée socialiste et du Parti socialiste en particulier, trois mots quand même, reconnus d'utilité publique depuis 1992. Trois axes de réflexion, la construction du monde plus démocratique, rénovation de la pensée socialiste progressiste, compréhension de notre histoire. On peut également citer votre collection de livres d'histoire du socialisme intitulée « Des points et des roses » et publiée aux éditions L'Harmattan. La parole est à vous. Merci. Bonjour. Comme il est 12h41, pour laisser un peu de temps au débat, je vais être, une fois n'est pas coutume, un adepte d'Helmut Kohl qui disait, je ne connais la formule qu'en anglais, « I love long sausages and short speeches », donc je vais être bref. Bon, je suis content d'être là, j'étais présent comme beaucoup d'entre vous aux deux précédentes éditions. L'année dernière, c'est Louis Gauthier qui était intervenu pour la Fondation, parce que c'était sur un thème sur lequel je considérais que ma légitimité était à peu près nulle. Et donc je me suis dit, cette année, je vais essayer d'intervenir. Et je dois dire qu'en lisant le thème de notre table ronde, là, je n'ai pas un problème de légitimité, mais de difficulté à l'appréhender, parce que l'imagination, c'est pas facile. Repenser l'humain, c'est pas facile. Et mettre les deux ensemble, ça commence à être vraiment très compliqué. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on est parti dans beaucoup de directions. Et je suis d'autant plus perplexe que ce que j'ai choisi de faire, c'est de traiter quelque chose en réalité d'assez différent de ce qui a été évoqué par les intervenants précédents, c'est-à-dire de questionner cette évidence du mot « imagination ». Et donc moins m'attacher au deuxième bout, repenser l'humain, qu'à travailler ce mot imagination en essayant de répondre, et donc je m'en excuse d'avance de manière trop schématique, à quatre questions extrêmement simples. La première question, c'est l'imagination et sa définition, parce qu'on en parle beaucoup comme si c'était quelque chose d'évident. En réalité, ça mérite un peu de réflexion. Lorsque Steve Jobs, pour prendre un exemple, mais on pourrait en prendre d'autres, invente l'iPad, l'iPod, l'iPhone, etc., c'est un processus qui recourt à l'imagination, mais qui s'appuie sur une innovation. Quand Fourier imagine les phalanstères, c'est un processus d'imagination et qui débouche sur une utopie, un monde qui n'existe pas. Quand, au lendemain de la chute du mur, Helmut Kohl et François Mitterrand tracent la perspective de la monnaie unique, c'est un processus d'imagination, mais qui s'appuie sur une idée. Donc, utopie, innovation, idée, des choses qui sont très différentes, mais qui tous, à un moment ou à un autre, s'appuie sur ce processus d'imagination et qui donc en soi n'est pas quelque chose de positif, c'est-à-dire ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. Et si j'essaye de le résumer d'un mot, je crois que l'imagination c'est un état d'esprit. Et que cet état d'esprit c'est d'essayer de s'affranchir de ce qui est. Les anglo-saxons ont une bonne formule pour illustrer ça, c'est penser out of the box. Et donc je crois que c'est ça l'imagination. Et on l'a vu tout au long de la matinée, c'est un des défis pour toutes nos fondations et nos think tanks. Le risque de ressasser est toujours un risque important. Et donc, il faut avoir toujours à l'esprit cette nécessité de l'imagination. Ça, c'était la première question. Deuxième question sur l'imagination et la politique. C'est est-ce que la gauche et la droite ont un rapport différent à l'imagination ? Et je vais défendre, en essayant de ne pas être totalement caricatural, cette thèse qu'il y a une asymétrie entre la gauche et la droite dans le rapport à l'imagination. Je ne sais pas si vous avez lu le petit essai d'Emmanuel Terret qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Penser à droite », qui est une analyse assez théorique de la réflexion à droite, dans laquelle
il montre que fondamentalement, la pensée à droite est un réalisme et que par rapport à d'autres modalités, je le cite, que sont le souvenir, la fiction, le rêve, le possible, l'imaginaire, il y a toujours une primauté à ce qui est. C'est ce qui a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure par Olivier Lecomte aussi. Et donc, dès lors que la gauche se veut être une force de transformation du réel, de transformation de la société, évidemment, la gauche n'est pas nécessairement imaginative. Je n'ai pas totalement sombré dans la folie pour affirmer une chose pareille, mais ontologiquement, la gauche a un rapport à l'imagination qui, je crois, est différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche sans imagination. Troisième remarque, l'imagination, c'est pour quand ? Donc l'imagination est le moment. On pourrait dire, le besoin aujourd'hui, ce n'est pas un besoin d'imagination. On sait ce qu'on doit faire, ce dont on a besoin, c'est de courage, de décision, on a besoin d'un tempérament. On pourrait dire, ça a été évoqué d'une certaine manière par Olivier tout à l'heure, quand l'avenir est de plus en plus opaque, occupons-nous du présent et ce travail d'imagination est inutile ou vain. Bon. Moi, je défends exactement l'idée inverse, c'est-à-dire que, évidemment, si je dis l'imagination, c'est maintenant... C'est un peu facile, mais il n'y a jamais eu autant besoin d'imagination qu'aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des défis qui doivent être relevés, je ne m'y attarde pas, et compte tenu aussi de l'ampleur des contraintes. Et je crois que plus les contraintes sont fortes, et plus l'imagination est nécessaire. Je regarde le temps. C'est bon, vous êtes très bien. Ouais, je suis très bien. Alors, je prends un exemple concret qui va paraître totalement, totalement anecdotique, mais qui, je trouve, illustre bien comment, quand les contraintes sont fortes, on a besoin d'imagination. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours sur le plan compétitivité. Si on considère que la France souffre d'un problème de compétitivité, chacun de ces présupposés peut évidemment être discuté. Si on considère que parmi ces problèmes de compétitivité, il y a un problème de compétitivité prix ou de compétitivité coût. Si on considère que ce n'est pas le seul problème, qu'il y a aussi un problème de compétitivité hors coût, mais que celui-ci, pour être commencé à être traité tout de suite, ne produit ses effets que plus tard, et que donc là où on veut avoir des effets rapides, c'est sur la compétitivité prix. Donc ça, c'est la première étape du raisonnement. Deuxième étape du raisonnement, si on constate que des efforts ont déjà été demander de manière importante aux ménages pour réduire les déficits budgétaires en 2013, on se trouve face à une impasse, une équation qui est apparemment impossible, c'est-à-dire la volonté de faire un effort rapide sur la compétitivité prix et l'impossibilité d'augmenter immédiatement la fiscalité. L'imagination, ça a été, c'est un petit exemple, mais cette idée du crédit d'impôt dans lequel les entreprises vont pouvoir bénéficier dès 2013 ou intégrer de 2013 les bénéfices en termes de compétitivité et dans lesquels les ménages ne commenceront à payer par l'augmentation différenciée de la TVA qu'en 2014. Dernière question, parce que je vais finir par être trop long, 7 minutes, ça va. Si on se dit que les barrières à l'entrée pour l'imagination sont très faibles, et on n'a pas besoin d'argent pour avoir de l'imagination, que les bénéfices à la sortie peuvent être très importants, on peut se demander pourquoi il y a si peu d'imagination ou trop peu d'imagination dans notre société. Et c'est mon dernier point sur est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il y ait de l'imagination. Et je crois que fondamentalement, l'imagination n'a pas besoin d'argent, mais on a besoin de temps. Or, nous vivons, je l'ai développé par ailleurs, une mutation radicale de notre rapport au temps et qui vient heurter beaucoup ce travail nécessaire d'imagination. J'en donne deux exemples. On vit un temps qui est de plus en plus saturé, c'est-à-dire qu'il est de moins en moins envisageable de ne rien faire et de plus en plus naturel de faire plusieurs choses à la fois. On vit un temps de plus en plus compressé, c'est-à-dire
un temps où nous sommes dans le présent, voire dans l'instant, un temps qui n'a plus de profondeur, qui n'a plus ni passé, ni futur. Or, le travail d'imagination exige justement de se donner du temps pour pouvoir réfléchir et de se projeter dans le temps. Et donc, j'en termine par là, je crois, si on veut retrouver de l'imagination, il faut résister à cette dictature de l'urgence, à la fois redonner du temps au temps et redonner du sens au temps. Je conclue d'un mot. Lucille a repris la formule, le slogan célèbre de mai 68, l'imagination au pouvoir. Je ne sais pas si c'est quelque chose de souhaitable comme ça. En tout cas, je crois qu'il est souhaitable que le pouvoir ait de l'imagination. Et j'ai trouvé que dans les tables rondes précédentes, on était assez enclin à ce travers français, à l'autoflagellation et au pessimisme. Et je voudrais terminer par cette note d'optimisme. Je crois que ce pays et ce peuple ont beaucoup, beaucoup d'atouts et que parmi ces atouts, on a, je crois, je ne sais pas si on peut le dire plus que d'autres, mais en tout cas, on a beaucoup une capacité d'imagination à nous de la mettre en œuvre. Merci. Gilles Finkenstein pour la Fondation Jean Jaurès. Merci pour eux. Et il est temps maintenant de l'interrogatoire. Qui démarre, monsieur ? Cinquième rang. Bonjour, je représente Eurocité. Donc, votre micro est fermé, je crois. Oui, bonjour, donc, je représente Eurocité. Donc, on essaie de politiser l'Europe, la vision de l'Europe. Et donc, ma question est plus précisément en fait, sur la vie privée. Ça n'a pas été trop évoqué. Et en fait, je voudrais savoir, ma question fondamentale derrière, c'est de savoir est-ce que finalement la notion de la vie privée n'est pas en train de modifier. Et donc, toutes les polémiques qu'il y a autour de l'exposition de Swann ne seraient pas en fait... Ça serait une erreur, en fait, de considérer ça comme des polémiques, puisque si la notion de vie privée est en train de se modifier, c'est simplement, est-ce qu'elle va être abandonnée, cette notion, ou est-ce qu'il faut la... La question est-elle à quelqu'un en particulier ? Non, globalement. Alors, qui se sent de répondre ? Virginie Martin. Oui, en effet, je trouve très pertinent, effectivement, que vous mettiez au cœur du débat, ce que nous n'avons pas fait, ni les uns ni les autres, la question de la vie privée. Puisqu'effectivement, celle-ci se tend un peu à se réduire comme une peau de chagrin, ne serait-ce que parce qu'évidemment, les outils technologiques nous obligent effectivement à une exposition excessivement importante, que vous sous-entendiez, et aussi parce que finalement, les frontières, et j'en parlais tout à l'heure, des frontières de plus en plus floues entre vie privée, vie professionnelle, est évidemment quelque chose de plus en plus ténu et de plus en plus flouté comme ça. Néanmoins, il me semble... qu'il est aussi intéressant justement de repenser notre vie privée, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit, est-ce qu'il va falloir aller du côté de l'intimité en fait et de l'intime pour dire ça c'est privé, et où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, le privé, le public, les frontières sont finalement bouges, sont floues comme je le disais précédemment. Néanmoins, moi je dirais qu'il ne faut pas non plus avoir... peut-être être crispé par rapport à ça, et ça peut être tout à fait intéressant aussi d'être stimulé dans ce qu'on pourrait traditionnellement appeler une vie privée, et qui aujourd'hui s'expose beaucoup plus, en effet, via le web, via Internet, via aussi nos contraintes professionnelles qui perdurent et qui vont au-delà des journées travaillées, puisque les smartphones nous poursuivent. Donc c'est vrai, mais en même temps, est-ce que de toute façon, et j'en finirai là, de toute façon, est-ce que ce n'est pas une question vaine, même si effectivement aujourd'hui on se sent un petit peu comme ça bousculé dans nos vies privées, mais on sait bien que de toute façon le social a toujours été dans le privé, le politique de toute façon a toujours été dans le privé, voire dans notre intimité. Même dans notre intimité, il y a du politique, donc finalement c'est un petit peu ces frontières qui changent, mais par nature, je n'ai pas l'impression que ça change véritablement. Lucille Schmitt, vous vouliez également répondre à cette question. Oui, moi je trouve que cette question de la vie privée, pourquoi est-ce qu'elle est posée avec autant d'acuité ? Parce qu'on a le sentiment qu'en politique, elle a souvent été esquivée sur la question de l'exemplarité démocratique. Et je pense que donc la question de mieux connaître la réalité des comportements des personnes qui sont nos représentants est un vrai sujet.
Après, moi, je trouve que la question de borner les interrogations sur la vie privée de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion des genres est un point essentiel. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que je pense que nous sommes submergés par les images, que nous sommes submergés par des images qui, d'une certaine manière, permettent de délaisser la question des projets politiques et du débat d'idées. Et donc, je trouve que, par exemple, toute cette question de la vie privée de François Hollande, de la relation avec sa compagne, est un sujet qui est commenté 10 fois par jour et que, quelque part, ça fait partie d'une sorte d'esquive de ce que pourrait être de vrais débats. Donc, moi, sur ces sujets, je pense qu'il faut à la fois s'adapter à une société où, effectivement, on doit plus exposer de soi, mais que savoir dire non sur la question de sa vie privée, faire en sorte que le divertissement ne remplace pas le débat de fond, c'est un point assez essentiel. Merci, Lucille Schmitt. Valérie Lissève, vous voulez également intervenir rapidement pour qu'on passe à la question. Très rapidement, en fait, moi, je reprendrai cette question sous un angle du travail et du mélange vie privée, vie professionnelle. En agriculture, nous assistons en fait à une mutation de la famille agricole. Avant, ce que je vous ai dit au cours de mon exposé, c'était monsieur, madame, et en fait, quand la femme épousait l'homme ou l'homme la femme, elle épousait aussi le métier. Aujourd'hui, on a une séparation entre les deux. Et en fait, nous, ce que nous disons à la SAF, c'est vraiment de ne pas mélanger la commode avec le tracteur et de bien faire la différence entre ce qui est du patrimoine privé, du patrimoine professionnel, de ce qui relève de la vie privée et de la vie professionnelle. Tout ça pour aller vers l'aboutissement d'une entreprise et d'une économie d'entreprise pour l'agriculture. Un petit mot, juste, je pense que ce n'est pas une bonne manière de poser le problème. Vous introduisez une dichotomie finalement simplificatrice en parlant de vie privée, vie publique. Je citerai par exemple le fait que dans les régimes totalitaires qui ont existé en Europe, sous Staline, en Roumanie, en Allemagne de l'Est, il y avait quand même une vie intellectuelle et des sources d'idées extrêmement foisonnantes. Alors que pourtant on pouvait être surveillé et espionné par son propre voisin. Je pense que la vraie question, elle est plutôt, est-ce que nous sommes libres de penser ? Autrement dit, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dépasser des référentiels ? Par exemple, on parle de consumérisme, on parle de matérialisme. Est-ce que nous avons encore cette possibilité, finalement, de nous échapper ailleurs, véritablement ? Pas seulement en dehors donc, de la ville où on vit ou d'Internet, je ne sais quoi, mais vraiment dans cet ailleurs donc, qu'on peut peut-être appeler, justement, l'imagination. Monsieur cravate rouge, veste grise. Merci. Je suis Youssouf Ishik, conseiller au Parti social-démocrate CHP en Turquie. Ma question concerne les nouvelles technologies. Je crois qu'elles sont le fruit de l'imagination, certainement. Et peut-être elles ouvrent un champ qui défie l'imagination même. Et peut-être à cause de la crise, on ne s'est pas penché beaucoup ces dernières années. Mais ça pourrait changer, je ne veux pas exagérer, mais presque tout. Donc, quels sont les domaines où les restructurations impliquées par les nouvelles technologies qui, en plus, sont de plus en plus basées sur la science. Merci. Qui se lance ? Voulez-vous quelqu'un en particulier ? D'abord, c'est à vous de choisir, peut-être. Non. Gilles Finkelstein, allez. Ah, il faut se mouiller. Il y avait eu un article célèbre d'un éditorialiste américain il y a quelques mois qui s'appelait, il y a quelques mois, il y a même peut-être quelques années, dont le titre était « Est-ce que Google nous rend stupides ?» Et derrière la formule provocatrice, il y avait cette idée, une statistique qui est sortie hier sur les salariés qui travaillent devant un écran, une étude qui vient de sortir aux États-Unis, le temps moyen ininterrompu qu'ils consacrent à leur travail est maintenant de 3 minutes. Bon, donc ça, les nouvelles technologies, on pourrait en parler sur la vie privée, mais c'est vrai évidemment beaucoup sur la vie au travail, ont un impact qui est absolument, absolument considérable. Je pense qu'on ne... étant les contemporains de cette révolution, on ne mesure pas toujours à quel point on vit presque chaque année une révolution dans la révolution. Et si on essaye de faire un petit zoom arrière et de regarder un horizon qui n'est pas, pour beaucoup d'entre nous, un horizon si lointain, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, de ce qu'étaient nos vies,
On voit l'ampleur de cette révolution, non seulement l'ampleur de la révolution technologique, mais par rapport aux autres révolutions technologiques, sa spécificité est que son rythme de diffusion dans la société est sans aucun doute sans précédent. Bon, après, on peut avoir une attitude optimiste ou pessimiste face à ce phénomène. Moi, je crois que, c'est peut-être par tempérament, mais je suis plutôt optimiste parce qu'il y a, d'abord, ça ouvre d'extraordinaires accès à la connaissance. C'est aussi un levier de démocratie. Mais surtout, je crois que là aussi, on en a chacun éprouvé l'expérience le jour où on a un nouvel outil informatique. Les jours et les semaines qui suivent, on en a souvent une utilisation déraisonnable. Et puis, on apprend à trouver la bonne distance et à réguler nous-mêmes l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc, je pense que collectivement, on est en train de faire cet apprentissage-là, qu'on est sans doute dans la phase de l'usage déraisonnable, mais que j'ai espoir qu'on sache trouver la bonne distance. Merci. Virginie Martin, vous voulez également intervenir. Oui, par rapport à ça et aussi à la réponse qui vient d'être faite, je pense néanmoins qu'il faut, et je suis vraiment la partie plus optimiste encore que ne l'est Gilles Finkelstein sur ces questions, je pense en effet que ces multiples stimuli excessivement rapides qui effectivement se mettent dans un espace-temps qui est celui de l'immédiateté, c'est certain, le temps s'est accéléré en effet. Mais c'est assez intéressant quand même de voir aujourd'hui les très jeunes générations et même nos étudiants être excessivement justement stimulés par ces multiples comme ça. Alors on peut le dire agression, stimulation, appelons-les comme on veut, mais n'empêche qu'il y a des interpellations et c'est effectivement, on travaille tous plus ou moins, et en tout cas les jeunes générations, simultanément avec 2, 3, voire 4 écrans. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on n'est peut-être plus tout à fait dans une pensée cartésienne telle qu'on nous l'a apprise quand on était petit avec le 1, le 2, le 3, mais qu'on est peut-être plus aujourd'hui dans une pensée réticulaire, un petit peu comme certains appelaient l'homme réseau. Nous sommes devenus peut-être aussi, nos intelligences deviennent un petit peu comme ça, en réseau, réticulaire. Et je trouve que c'est aussi intéressant de travailler ce rapport au temps et peut-être d'accepter le caractère réticulaire aujourd'hui de notre pensée, qui est très stimulé évidemment par les nouvelles technologies. Merci Virginie Martin. J'ai distingué une silhouette masculine tout en haut. Voilà, monsieur. Merci. Je me présente, Abdelhamid Grib, l'Institut d'éthique contemporaine. Alors, peut-être ma question s'adresse plus à monsieur Gilles Finkelstein. En fait, vous avez parlé un peu de la dictature de l'urgence et il y a peut-être un rapport intéressant à voir avec le temps. C'est-à-dire, notre rapport avec le temps a changé et ce qui fait que renouer temps et imagination devient problématique. C'est qu'on se situe plus dans l'imagination pour réagir ou pour improviser, plus que pour, c'est-à-dire l'imagination de la survie, plus que l'imagination pour le progrès. Alors, comment on peut voir cet effet du changement du rapport avec le temps par rapport à notre imagination ? Merci. J'ai essayé, je crois, de l'évoquer en conclusion de mon propos, donc je suis assez évidemment d'accord avec ce que vous venez d'évoquer, et ça mériterait en soi de longs débats. Je crois que pour que l'imagination retrouve un espace, il faut un autre rapport au temps. La première dimension à laquelle on pense le plus spontanément, c'est d'essayer de, selon la formule traditionnelle, de redonner du temps au temps, c'est-à-dire d'avoir des espaces de décélération, des moments de pause. Mais je crois qu'il y a une deuxième dimension à laquelle on pense moins, qui s'attache moins à l'écoulement physique du temps qu'à sa dimension abstraite. Le temps, c'est aussi le passé, le présent, le futur. Et donc, je crois que le plus important, c'est pas seulement la question du rythme, c'est la question du cap. Et pour avoir un exercice d'imagination, il faut à nouveau essayer de se projeter individuellement et de projeter
des entreprises, de projeter des collectivités dans des horizons qui dépassent ce qui peut être pensé immédiatement. Donc de ce point de vue-là, je crois que résister à la dictature de l'urgence, c'est une condition absolument indispensable pour avoir un travail d'imagination. Lucille Schmitt, vous allez probablement conclure, malheureusement. Ah, d'accord. La parole est à vous. Oui, sur ce sujet du temps, moi, je voulais réagir parce qu'il me semble qu'on a peu évoqué la question du lien entre virtualité et réalité. Et je pense que tout ce qui a été dit d'ailleurs sur les nouvelles technologies, c'est intéressant parce que quelque part, il y a une possibilité d'imaginer tout. Ça a été rappelé par plusieurs d'entre nous à cette table ronde. Mais la question, c'est vraiment l'entrée dans le réel et la manière dont ça détermine au fond nos parcours de vie. C'est-à-dire, est-ce que nous allons rester devant un écran ou est-ce que nous allons réellement donner à l'imagination force concrète ? Je crois que c'est un point important. Et je voudrais à ce moment-là terminer, puisque c'est le temps est écoulé, sur le thème de la profondeur, parce que je pense que cette façon dont, quelque part, on contrecarre la question de la réactivité, qui d'une certaine manière devient une espèce de chose immédiate et qui permet d'inventer parfois de fausses communautés, cette question de la profondeur et de la capacité à s'inscrire, comme le rappelait Valérie, lorsqu'on est agriculteur, dans le temps, dans la terre, ou lorsqu'il a employé des mots comme le mot ferme, j'ai trouvé que c'était important, parce que quelque part, on parle toujours d'innovation. Et on ne lit plus les mots, certains champs sémantiques avec d'autres champs sémantiques. Je crois que ce qu'il faut pour que l'imagination vraiment ait aujourd'hui un avenir, c'est bien apprendre à lier cette question de la profondeur et de l'inscription dans le temps à la question de la créativité et pas seulement utiliser effectivement des postures ou des slogans. Ce sera la conclusion, Lucille Schmitt. Merci beaucoup. Ça t'intéresse,